Coucou tout le monde, je m'appelle Rufine, j'ai 40 ans. Je suis une maman de 3 enfants. J'ai des jumeaux qui ont 13 ans et un bébé qui a 19 mois. Ça faisait longtemps que je cherchais une formation de prothésiste ongulaire, mais je ne trouvais pas des formations en fait complètes. Un jour, je suis tombée sur une vidéo à Nathalie et j'ai eu un déclic. Mais j'ai quand même réfléchi avant avec des questions du genre, est-ce que c'est possible de vivre de ce métier et surtout d'apprendre à distance avec personne à côté de moi? J'ai décidé de faire d'abord la formation qu'elle propose pendant quelques jours. Pendant ces quelques jours-là, j'ai eu le temps de regarder les vidéos des filles, les témoignages, comment on pourrait vivre de ce métier. Je me suis décidée à m'inscrire à la formation. J'ai fait la formation de base et perfectionnement que je trouve complète du début jusqu'à la fin. Elle est vraiment incroyable. Et j'ai foncé. Il fallait juste s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et ne pas arrêter de s'entraîner, filles, parce que croyez-moi, rien n'est facile. Ça ne tombe pas du ciel, il faut s'entraîner tout le temps. Et le fait aussi de payer en plusieurs fois, c'est vraiment pas mal du tout. Ça facilite beaucoup les choses, surtout quand on a d'autres charges à côté. Donc, pour moi, personnellement, ça m'a arrangé beaucoup. J'ai commencé à penser à faire ce métier parce que j'aime vraiment rendre les gens beaux. J'aime mettre ma petite touche personnelle sur chaque petite chose. Alors, les ongles, c'est vraiment l'endroit vraiment idéal de montrer ses talents, en fait. Et je trouve ça génial. Et il y a une super plateforme qui est là tout le temps. À chaque fois qu'on a une question ou quelque chose qu'on a oublié, on y retourne jour et nuit, matin, soir, comme vous voulez. Et surtout nous qui avons les enfants, en fait. Tu peux travailler tard le soir, quand ils dorment le matin. Et ça nous fait avancer comme ça. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait avancer comme ça. Maintenant, j'ai les clés en main pour ouvrir mon entreprise. Et je voulais remercier Nathalie pour le travail qu'elle fait. Elle a fait un travail incroyable, qu'elle fait tout le temps d'ailleurs. Elle est là pour encourager, elle est là tout le temps pour donner son avis, mais positivement. Hein, il y a une bienveillance qui est vraiment incroyable. Et les filles qui sont là tout le temps, que ce soit les anciennes, les nouvelles, il y a cette ambiance-là de nous lever les unes et les autres, en fait, qui est incroyable. Donc, je remercie tout le monde. Ne changez surtout pas. Et je reviendrai de les nouvelles de temps en temps. Merci, merci et merci pour tout.